facile aujourd'hui, mais vous avez quand même marqué en premier, mais le Giraffe a pris le dessus. Comment vous avez apprécié la prestation de vos joueurs? Mitigé, je pense que mieux, on a eu un bon début de match. Une bonne situation, malheureusement on ne concrétise pas. Après derrière, il y a un coup de barre pour tout le monde. On a été dit que si on avait arrêté ça, c'est très important, c'est performant. Malheureusement, en but, tu nous fais un peu mal. Et on a mieux tiré la je pense, derrière. Après, on prend l'autre but qui va très vite, tu vas deuxième. Mais je pense que dans l'ensemble, peut-être on use très bien. Il paraît que le but est entaché. Sinon, le gardien a. Et évidemment, je pense que c'est une même, mais bon, je pense que les histoires arbitrales sur la saison, c'est équilibré, on accepte ça. Ce qu'il y a à faire, c'est que voilà, on peut travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez nous, qu'on va essayer de rectifier la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais je suis content de certaines choses parce qu'il y a des jeunes qui comprennent ce qu'on veut faire. Et puis, le terrain, c'est pas souvent. Il paraît que vous avez beaucoup de jeunes qui viennent de jouer leur premier match de ligue professionnelle aussi. C'est ça le football. Je pense que c'est pas un baptême, c'est un baptême de feu. Mais bon, j'ai confiance. Je pense que dans le match amico, on a été très bien. Mais sur des terrains beaucoup plus meilleur que ça. Mais bon, après c'est bon, c'est un début. On va comprendre. Et on a confiance en ce qu'on fait, je pense que voilà, il faut rentrer, récupérer, bien travailler et préparer le prochain match. Sur le mercato, pourquoi on n'a pas mis ça pour le joueur? Est-ce que vous pouvez faire le point sur les joueurs? On a vu beaucoup de joueurs arriver, les catastrophes, les défaites, ils sont arrivés à la génération. Parce qu'ils ne sont pas au niveau de nos jeunes, simplement. Moi j'ai trouvé à AGF des jeunes très bons, très performants, très à l'écoute. Et aujourd'hui, s'ils jouent, c'est parce qu'ils sont meilleurs joueurs. Après, les recrues, ils doivent montrer plus que ça pour jouer. J'ai des recrues, mais je ne ferai qu'un cadeau pour un recrue. Parce que sur le CPR, on a vu que l'équipe avait beaucoup de mal. C'est sur le CPR même que vous avez pris le premier but et sur le CPR le second but. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que l'équipe qui est sur le plan morphologique ait très petit contrairement aux autres équipes? Faire moins de foot. C'est la première solution. Après derrière, défendre par position de corps, on l'a fait, on l'a essayé. Malheureusement, bon, sur le premier but, on prend l'élan très loin, personne ne sait le plus, du coup, on fait mal. Mais bon, on apprend, on va voir ça. C'est la zone, c'est le mix, c'est le main-to-main dans la surface de réparation, en coupé et arrêté. On fait un mix, tout simplement. Et après, voilà, c'est pour être de loin, ils sont grands, ils prennent de loin. On n'est pas capable peut-être de rivaliser en hauteur, on est capable de quand même traîner l'élan. Malheureusement, on n'a pas fait. Y a-t-il une différence d'entraîner l'Académie TAM et l'Académie Génération Foot? Joker. Non, je suis ici, je suis content, franchement. J'ai trouvé de bonnes installations, de très bons joueurs qui sont en devenir. Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour faire une belle équipe. On a fait le début, c'est le premier match contre actuellement une très bonne équipe de Giraffe qui a quand même de la compétition. On les a fatigués physiquement. Même si ils sont plus forts techniquement, mais physiquement on a été à la hauteur, même mieux parfois. Malheureusement, je pense que si on concrétise dans les premières minutes, les deux occasions qu'on a eues, je pense que c'est un autre match. On va faire ça le football.